Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste donner les détails avant. J'ai un truc qu'ils veulent. Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Oh merde!
Je devrais jeter un coup d'œil. Thank you.
Allez, on reprend. Quand est-ce qu'on se voit, en vrai? Jamais. Je n'ai pas de nom et pas de visage. Pour toi, je suis juste Monsieur Hens. Une voix au téléphone. Point. Faut que j'y aille. Vas-y, je te retiens pas. Tirez!
jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi ? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Pas du tout. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok, je dois parler à qui alors ? Va à la chapelle sur Sloan et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu, merci. Hey, bienvenue à Pacifica. Vous perdez pas de temps, je viens à peine d'arriver. C'est ça les affaires, et je t'appellerai. Il est venu, il est posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. Il est venu rien à nous qui te songe la vie sous une. Et toi, V, on t'attendait. Qu'est-ce qui m'a trahi ? Mes cheveux, hein ? On te sauvait depuis que tu as mis les pieds à Pacifica. Vous aviez peur que je me perde ? Raouk a dit ça. Et mon contact ? Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot ? Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Je veux parler à Brigitte. Elle est dans quoi ? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Demande à voir Placide, il te donnera les détails. Je cherche Placide. Placide. Gardez ici, là. Dodo, ti, pi, ti, maman. C'est vous-même. Continuez. Dodo, ti, pi, ti, Placide, gardez là. C'est ou pas, dodo, toi, Placide. Je veux parler à ton boss. Qu'est-ce que vous voulez ? À la chapelle, on m'a dit de venir te voir. C'est Monsieur Hens qui m'envoie. Il a dit que t'avais besoin d'un merc. Pas ici. Viens. Où on va ? Attendez,
pour nous d'ailleurs. Suis-moi. C'est bon. Tourne dans la villa. Tout c'est Pacifica. Tout cela est plus aujourd'hui. Bienvenue à Pacifica. Tu connais bien Pacifica? Non. Faut dire que vous êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier. Ça devait être une ville à part entière où les costards auraient pu flamber leurs édits. C'est un circuit fermé. Les corpos gavent de cash leurs moutons qui leur crachent direct. Tous les gadgets qu'il y a ici ont été financés par le fric des corpos. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est le GIM, le Grand Imperial Mall. Le plus grand temple de l'avarice dans Pacifica et aussi le plus laid. Jamais achevé. Jusqu'à la semaine dernière, il était abandonné. Vide. Et maintenant ? Les animaux sont entrés. Ils ont fait leur tanière. Moi, pas oublié. T'as déjà eu affaire aux animals? Ouais, quelques fois. Tu veux que les animals libèrent le GIM? Qu'ils disparaissent? C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu sauras tout, très bientôt. Je veux dire, ça rime à rien qu'il soit là. Au milieu de Pacifica, sans renfort, okay. Isolé. C'est notre territoire. Merde, même la flicca, il met pas les pieds ici. Ils essaient de vous provoquer? De vous faire faire un truc stupide? Ils quittent pas le GIM. Ils sont combien à peu près là-dedans? 30, peut-être plus. Venina, on parle ici. Assieds-toi. Quand est-ce que je vois Brigitte? Tu fais le job, pas avant. Hé hey! Qu'est-ce que tu fous? Bon, bah au moins, il risque pas de te bassiner à mort. Pourquoi t'envoies pas tes hommes au GIM? Pas notre façon de faire. Et elle marche, votre façon de faire? Elle marche bien, la plupart du temps. Ton chaman du Chrome, c'est Victor? C'est vraiment important? Ou t'essaies juste de me faire peur? Tu dois être à la hauteur. J'ai besoin de savoir. Cette puce, elle a pas de signature. C'est quoi? C'est pas important. Elle est foutue de toute façon. Pourquoi? J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis, voilà pourquoi. Tu m'as pas demandé mon expérience, ce que je sais faire. On n'est pas des corpos, on te propose pas de faire carrière chez nous. T'as juste une chose simple à faire pour nous. Alors, je peux faire le boulot? C'est bon? La camionnette. Là, à 20:35:07. 3 secondes avant, pouf! On essaie de savoir d'où vient la camionnette. C'est de la tête de pointe, pas vraiment le genre de cet tas de muscles. Il la surveille de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Placide.
appartement de Kelly Abdesson encore. Fais mes potes là. C'est pas les animaux ce qui vous intéresse. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de tête de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour débusquer qui? Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Tu es synchrone avec Trésor Gré, notre sous-réseau. Hein? Pourquoi faire? Tu es mon vaisseau. À travers Agoué, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider dans le GIM. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. Alors, tu vas me garder à l'œil. Bonjour la confiance. Ok. Il y a autre chose que je dois savoir? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte. D'accord? Ouais. La sortie est au bout du couloir. Descends. Mes gars te laisseront passer. On a fini.